Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Loïnich Matrifka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Vesefrem, Menem Asim Khazra Bat Mazal Tov Shishborti, Shadel Batsol, Tarab, Chaim Bar Esther Lachmi. Si vous souhaitez aussi dédier la prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perek Vav, Mishnah Vav, Mishayeshlo, Gina, Lifnim, Mginato Shel Chaberu. Nichnas Besha Shederech Bene Adam Nichnasim, Veyotse Besha Shederech Bene Adam Yotzein. ואינו מכניס לתוכה תגרין, ולא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחרת. והחיצון זורע את הדרך. נתנו לו דרך מן הצד, מדעת שניהם, נכנס בשעה שהוא רוצה, ויוצא בשעה שהוא רוצה, ומכניס לתוכה תגרין, ולא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחרת, וזה וזה אינם רשאים לזורעה. On revient, on continue le principe de la Mishnah précédente. Soit, dans la Mishnah précédente, on parlait de celui de Reuven et Shimon. Retenez, on va toujours parler de Reuven, l'externe, et Shimon, l'interne. Là-bas, on parlait dans la Mishnah d'avant de Shimon qui achète le puits au milieu de la propriété de Reuven. Maintenant, on va parler de celui qui a un verger au milieu du verger de son ami. Mishayeshlo Gina Lifnim Miginato Shel Chavero. Celui qui a un verger au milieu, à l'intérieur, de la Gina Shel Chavero, du verger de son voisin. Donc il y a un très grand verger qui appartient à Reuven, au milieu, un petit verger qui appartient à Shimon. Alors, maintenant, précision importante, Shimon a un droit de passage par le verger de Reuven pour atteindre son propre jardin. D'accord ? Soit parce que, tacitement, lorsqu'il lui a acheté ce verger au milieu, il a inclué d'avoir un droit de passage, soit expressément parce qu'il lui a demandé clairement, au moment où il a acheté le verger, de lui préciser. Tout ça, c'est comme ce qu'on étudiait dans le Perek d'Alet. Mocher bain yafa, mocher bain ra, mocher. Est-ce que tacitement, on vend un droit de passage? En tout cas, maintenant, donc il s'avère qu'il y a Shimon a un verger au milieu, il a un droit de passage chez Reuven. Quand peut-il passer par ce verger? Et on a plus ou moins les mêmes principes qu'il y avait dans le Mishnah d'avant. Nichnas Besha Shederech Bene Adam Nichnasim. Il devra entrer à l'heure où l'usage des gens est d'y entrer, à l'heure où il y a les employés qui viennent, toutes sortes d'entrepreneurs qui pourraient y entrer. C'est une heure plausible, à partir de 8h du matin jusqu'à 9h du soir, c'est une heure où tu es en droit de demander à entrer toi aussi dans ton verger. Veyotse Besha Shederech Bene Adam Yotzin. Et aussi, il devra sortir à l'heure où les hommes sortent du champ. Il ne pourra pas faire entrer à l'intérieur du champ des tagarines, des vendeurs de on va appeler ça des grossistes de fruits. Il veut leur montrer les récoltes qu'il a, il ne pourra pas les faire entrer. Il devra faire sortir des fruits et aller les leur montrer, ou bien qu'ils le vendent à l'oral. Et on va expliquer dans quelques secondes pour la raison de tout ça. Velo ikanes mitochal et torse d'achret. Supposons maintenant que, regardez la scène. On a le verger de Shimon qui est proche de la, qui est sur la frontière du champ avec un autre champ. Moi, je suis intéressé. Moi, j'ai un droit de passage maintenant pour entrer dans mon verger. Est-ce que je peux entrer dans mon verger pour passer par l'autre côté? C'est-à-dire, je marche chez toi. J'entre dans ton verger pour entrer dans mon verger lorsque je ne compte pas ensuite exploiter mon verger ou cueillir des fruits ou faire quoi que ce soit, mais uniquement passer la barrière pour aller plus rapidement dans le champ qui est à côté. La Mishnah nous enseigne que je n'ai pas le droit de le faire. Étant donné que, on va expliquer tout de suite, je préfère finir tout d'un coup. Donc, Veno Martis le Tocha Tagarin, Veno Ikenes Mitocha le Torx de Chavero, Vachitson Zoreet Aderech. C'est là ici le point clé que je voulais atteindre. L'externe aura le droit de semer, de planter tout au long de ce petit passage. Soit. Il y a donc Reuven et Shimon. Shimon est à l'intérieur. Il y a un passage où l'usage est de passer par là-bas pour atteindre le champ de Shimon. Shimon est en droit d'y entrer par là-bas. Il est limité à ne pas entrer n'importe quand, à ne pas faire entrer n'importe qui. Et maintenant, la Mishnah est y entrer aussi pour quelque chose qui n'est pas une utilité du champ, c'était ne pas y entrer pour faire un raccourci. Et maintenant, la Mishnah nous précise aussi autre chose. Sache que Reuven, le propriétaire de l'externe, est en droit de planter tout au long de ce chemin. Shimon ne pourra pas lui dire, mais quand je vais sortir avec mes sacs de patates, que je vais vouloir passer par chez toi, tes courgettes qui sont par terre, je risque de trébucher dessus. Réponse, c'est pas son problème.
Et tu peux finalement débrouiller pour passer, j'ai le droit de monter le champ. Le principe, il est comme ça. Il est que lorsque on va distinguer deux formes de kinyanim, de shiboudim, plutôt, un shiboud, avoir un droit sur un bien de quelqu'un d'autre, ça ne signifie pas que je suis propriétaire concrètement, que j'ai matériellement, j'ai un terrain supplémentaire. Non, ça signifie uniquement que j'ai un certain droit sur une certaine exploitation du champ. Vous ne pouvez pas me dire c'est votre champ, vous ne voulez pas que je le fasse. Parce que sur ça, je serai propriétaire. D'accord ? Je vous astreins dans votre propriété que vous ne pouvez pas m'empêcher d'utiliser votre propriété pour en faire chose. Mais côté l'omnes, propriété, je ne suis pas propriétaire. Le propriétaire, c'est vous. J'ai juste un droit de passage, sans être propriétaire. De ce fait, vous êtes en droit de planter dans la mesure où vous devez respecter votre engagement de me laisser passer. Dans la mesure où planter tout au long du chemin, ça ne va pas m'empêcher de passer. C'est juste que si je voudrais passer de manière plus large, ça m'embêterait. Mais malgré tout, vous ne m'empêchez pas de passer. De ce fait, vous avez le droit d'exploiter votre champ comme vous voulez et même de planter tout au long de ce chemin. Et selon ce principe, tout découle de là-bas. Vous avez le droit de me dire, tu n'entres que le minimum est nécessaire pour exploiter ton champ. Faire entrer des grossistes, c'est pas nécessaire de les faire entrer, tu peux entrer à l'intérieur, puisque de toute façon tu veux leur vendre des fruits qui sont arrivés à maturité. Sors leur un fruit, qu'ils regardent dehors, ils ne pourront pas y entrer. Idem aussi si tu veux, à plus forte raison même, si tu veux y entrer pour passer la barrière et passer dans le champ de l'autre côté, comme tout ce qu'on a vu. D'accord, ça c'était la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, on va changer un petit peu la donne. Natnolo derech minatsad midachnem. Ils ont attribué à Shimon un chemin, un derech minatsad. Natnolo, ils lui ont donné, derech minatsad, un chemin sur le côté, midachnem, avec l'accord des deux parties, Reuven et Shimon. Soit, initialement, il y avait un passage de l'entrée du grand verger pour atteindre le petit, marcher en ligne droite, et pour une quelconque raison, que vous allez comprendre bien sûr naturellement, et Reuven vient voir Shimon et lui dit, écoute, moi ça ne me mange pas d'air quand tu passes ici. Est-ce que tu acceptes que je te fasse, que je te donne un beau, voilà les mots à peu près que l'utilisent, je te donne un beau lieu de passage par un autre endroit, sans préciser plus. Donc en fait, il a troqué le petit droit contre un autre droit. Cette fois-ci, puisque tu vas me donner cette fois-ci un droit de passage, pleinement, alors dans ce cas-là, ça va t'engager plus. Ça ne va pas être exactement la réciproque du cas précédent, parce qu'il y avait une exception, comme on va le préciser. Mais malgré tout, ça t'engage plus. Comme quoi, par exemple, Natnolo derech minatsad midachnem. S'ils m'ont donné, donc à l'interne, et lui ont donné le derech minatsad, un chemin de côté, midachnem avec l'accord des deux. Dans ce cas-là, on élargit le tir. J'aurai beaucoup plus de droits d'entrée pour exploiter le champ, mais pas pour autre chose. Voilà si je peux dire en une phrase pour inclure tout. Presque. Nirnas Vesha Sheurotse. Il pourra dans ce cas-là y entrer à l'heure où il veut. Tu ne peux pas me dire, hey, j'entre chez toi. J'entre pas chez toi. Puisque ce nouveau chemin que tu. Ce nouveau petit sentier, je ne sais pas comment dire. Ce petit chemin pour y passer maintenant, puisqu'il a été donné de ton plein gré, alors dans ce cas-là, tu me l'as donné de manière plus large où je suis propriétaire. Je suis propriétaire, j'entre quand je veux chez moi, même si j'ai un associé. Et c'est ce qui se passe. Donc, Nirnas Besha Sheurotse, il entre à l'heure où il veut. Veyotse Besha Sheurotse. Aussi, il devra sortir, mais il sera limité, astreint, à ressortir d'aucune manière. Il est chez lui, tout simplement. Il passe par chez lui pour arriver chez lui. C'est pas qu'il dépend des grâces des autres, c'est qu'il est lui-même propriétaire de son droit. Idem aussi au Machnis le Tochatagarin, puisqu'il y a une quelconque raison de faire entrer les grossistes à l'intérieur. As Machnis le Tochatagarin, il pourra faire entrer ses grossistes à l'intérieur de son champ interne. Par contre, regardez l'exception, deux exceptions, on va voir. Veloekanes mitocha le Tochzafet. Par contre, il ne pourra pas passer depuis ce champ-là pour aller dans un autre champ. Soit, c'est le cas qu'on va apporter, qui est toujours interdit malgré tout. De manière générale, on peut dire comme ça que le vendeur, c'est-à-dire celui qui a donné le droit pour troquer, il a donné un droit de manière plus large, mais c'est malgré tout, tout ce que je te donne, c'est un droit de passage large pour entrer dans ton verger, pour s'en occuper. Donc, on va élargir, s'en occuper, ça peut même inclure vendre aussi à des grossistes, ça peut inclure aucune limitation d'heure, mais par contre, ça ne va pas inclure ce cas-là. Il ne pourra pas entrer de ce champ pour aller à un autre champ. Ouais, je te limite, tu entres plus cette fois-ci pour l'intérieur de ton champ, je t'interdis. Il apporte
beaucoup de gens qui vont marcher dedans. Et ensuite, alors là, le vendeur, c'est-à-dire celui qui a l'externe, celui qui m'a donné consciemment, pleinement ce chemin, il s'est lui-même défait du droit de le planter, puisque tu m'as donné ce terrain, en quoi ce chemin, en quoi ça s'exprime le fait que tu me donnes, ça s'exprime que le fait que tu vas plus maintenant pouvoir y planter, parce qu'il y a deux parties ici à concerter, puisqu'on est tous les deux associés de ce genre. D'accord, et les deux parties n'auront plus le droit de le semer. On fait à présent le Barthénora. Michel Gina, celui qui a un petit jardin. Vinitraza Chitson, la tête, la pnimi, derer ben sasadou. Et l'externe a accepté de donner à l'interne un derer, un chemin au milieu. Le Barthénora, il vient simplement, je vous explique si vous voulez approfondir la question. Le Barthénora, il vient par rapport au Perek Dalet, qu'on a vu là-bas, que un avis au moins, Chachamim, qui pense qu'il n'a pas de chemin. Alors comment c'est possible que là, cette fois-ci, il a un droit de passage? Le Barthénora nous explique parce qu'il l'a donné expressément. D'accord? Velo Ikanes Mitocha, une grande discussion sur ça, est-ce que c'était nécessaire ou pas? Velo Ikanes Mitocha, l'etorx d'Acheret, il ne pourra pas utiliser dans aucun cas, en fait, dans la Risha, comme dans la Seifa, même quand tu m'as cédé le terrain, le chemin, je n'aurai pas le droit malgré tout de passer par là, pour passer, enjamber ensuite la barrière, pour entrer dans un autre chemin. Donc, Velo Ikanes Mitocha, il ne pourra pas entrer depuis ce champ chez un autre voisin, pourquoi? Étant donné qu'il lui cause un vrai dommage au moment où il passe au milieu de son chemin. D'accord? Le fait de passer, ça cause un dommage. Ça va faire qu'à son endroit-là, il n'y aura plus de pouces qu'il va pouvoir passer. D'accord? Chauver Bem Sasado. Alan Saade de loin nitraselo. El Aletzorer Gina Bilbad. Alors, c'est clair. On va poser comme évidence qu'il n'avait aucune intention. Ouais. Anansade, nous témoignons sur lui, nous évaluons que c'est ce qu'il avait dans la tête au moment où il a cédé le chemin. Son unique intention, c'est uniquement tu passes par chez moi autant que tu veux, je te cède le terrain. Ouais, même si on inclut la Seifa. Je te cède même le chemin, mais fais tout ce qu'il faut pour le champ, mais ne me rends pas pigeon à me rendre fou, à rentrer ici pour rien, pour aller ailleurs, d'accord? Donc, Delon et Ratsalo, elle a les oreilles Gina Bilvad, Velo, chez Ikanes, les oreilles Tachmichacher, je ne t'ai pas permis d'y entrer pour en faire une autre utilisation. Vea Chitson Zorea, on avait vu maintenant le Chitson Zorea, Eta Pnimi, de Eta Derer, on était dans la première partie de la Mishnah, lorsque il n'a pas cédé, il n'y a pas eu si c'est le troc. Donc, Vachitzan aura l'externe aura le second endroit de planter. Des Kavan de Bemza Sadeu, étant donné que ton verger, ton petit verger, il est au milieu de mon grand verger, au milieu de son champ, au milieu de son grand verger. Anan Sade de Loi Machal Loader Legambre, nous témoignons que c'est évident, qu'il n'a pas accepté de lui céder complètement le chemin, au point il ne pourra plus le planter. Je t'ai donné un droit de passage dans mon champ, c'est vrai, mais mon champ reste mon champ, donc si je peux planter mon champ, j'ai le droit de planter aussi dans ce petit chemin. Véchelo Yuchalou les Zora, d'accord, ça marche. Ensuite, Vézé Vézéna Mrachaim les Zora, et les deux ne sont pas en droit cette fois-ci, donc de planter là-bas. Pourquoi? Des Kavan et Minatsado, étant donné que c'est un chemin Minatsad sur le côté, les Elor Greda Yachirdohu Lo. Alors il est clair qu'il le lui a cédé avec intention qu'il marche dedans. C'est-à-dire, on explique concrètement, c'est pas compliqué du tout. J'avais un droit de passage, en théorie, j'avais un droit de recevoir un droit de passage chez toi. Maintenant, tu es venu me voir, tu me dis non, je ne veux pas que je t'écrase. Tu préfères exploiter naturellement ici toute cette partie et me dire que je prenne un petit chemin sur le côté. Le chemin sur le côté que tu me donnes, ça devient un chemin beaucoup où mon emprise dessus elle est beaucoup plus forte. C'est plus un simple droit de passage, mais ça devient un droit de passage avec un kinyan, où je suis un propriétaire plus grand. De ce fait, la Mishnah nous enseigne que quand tu m'as cédé le chemin, tu as aussi renoncé à planter dans cet endroit-là, puisque il y a plusieurs manières d'expliquer. On pourrait rajouter par exemple une Tzvara, puisque tu m'as demandé de renoncer à ton chemin parce que ça abîme tes récoltes. Donc en fait, ça veut dire que tu vas me mettre dans un endroit où il n'y aura pas de récolte. C'est une manière de voir la chose. Il y a plusieurs manières d'expliquer, mais enfin, en principe, on l'a compris. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov Sela.